Bonjour à tous et à toutes, je suis Relus et aujourd'hui on reprend le second épisode de La Maladie sur Breath of Fire. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, dans l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, nous avons contrôlé le deuxième personnage du jeu, à savoir Nina qui est derrière moi, qui est la healeuse du groupe, avec laquelle nous avons franchi une tour. Enfin, nous avons monté dans la tour, on a battu deux fois la mort, ensuite on a battu un boss et on est mort, mais c'était scripté. On est revenu avec le héros, le boss qu'on a battu en deux frames, et la Nina s'est joint à nous, et il faut qu'on retourne au château pour pouvoir avancer dans le jeu. Voilà. Et comme vous l'entendez, j'ai un petit mal de gorge, donc du coup ma voix est légèrement différente, une voix grave et délicieuse que vous avez l'habitude de vous coltiner dans les autres vidéos. Enfin ça, après la petite grippe, c'est déjà pas mal. Et aussi j'ai coupé le micro assez souvent parce que je tousse. Et je ne veux pas vous gaspiller les oreilles et vous les détruire avec ma voix. Pourquoi c'est fermé à clé? Et c'est fermé à clé là. Donc alors attends. Si je fais ça. Non, pas ça. Alors j'ai une clé, on est d'accord. Ah oui, sinon j'ai la max d'herbe, j'ai 16 herbes, j'ai de la merde à vendre. Et j'ai pas la clé. Bon bah peut-être que c'est... Non attendez, moi je veux que ça s'ouvre. Les coffres, tout ça, donnez-moi le loot. S'il te plaît, fais pas ta pute le roi. Et il y a deux coffres. Et le coffre, c'est quand même pas mal de richesse. Non mais j'en fous de savoir ça. Moi je veux le coffre, je veux le loot. Et donne-moi du loot. Bon, y'a rien. Mais je m'en fous, arrêtez de dire la même chose. Allez là, donne-moi la clé, s'il te plaît, fais pas ta pute. Non mais la clé. Mais arrêtez de recycler les paroles. La cacher où ta clé, sous ton oreiller peut-être. D'accord, très bien. Non mais si tu veux. Bon, bah ce sera peut-être pour la prochaine fois, peut-être qu'on va revenir dans cet endroit avec la clé. Avec une clé craquée qui nous permettra de tout ouvrir. J'espère que ce sera le cas parce que j'ai envie d'avoir le loot. Là, y a quoi en bas? Y a rien en bas. J'ai vu sur une touche, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Donc là, c'est la suite. On va aller en bas. On va pas aller en bas. On va aller en haut. Ah oui, non. Ah, c'est vrai qu'avec mon arme de melee, je touche tout le monde. J'ai oublié de me soigner. Pas grave. On va utiliser une petite herbe. Parce que les herbes, c'est cool. Voilà. J'essaie d'en bloquer un. Non, il est pas trop con. Le cerf n'est pas trop con. Ah, ça, c'est des nouveaux ennemis, par contre, les blobs. Un point de résistance, il donc. Pas du tout résistant, même. 120 XP. J'aimerais savoir s'il y a des objets pour empêcher la rencontre aléatoire et diminuer. Donc là, ah bah ça mène une cave, la putain de caverne que je peux toujours pas accéder. Alors on empêche le boomerang qui fait des attaques de zone.
Je trouve que c'est un poil pété, mais que c'est plus utile parce que je gagne du temps. Et là, je suis complètement en train de me perdre. Alors là, par contre, là, j'ai le droit à un monstre un petit peu craqué. Alors, j'hésitais en fait, là, je vous le dis, à l'heure où j'enregistre, donc nous sommes le 12 mars. Oh, ils ont pas une belle tête. Je crois que je reviens sur le chantier. Alors aujourd'hui, nous sommes le 12 mars, je n'ai mis que le premier épisode en public. Le reste est en privé, l'épisode 4 n'est toujours pas uploadé. Et donc, donc là je fais du. Je fais du contenu, si on peut dire. Tout simplement parce que il y a un week-end où je ne serai pas chez moi, donc j'aurais mon ordi mais je n'aurai pas mon matériel car je serai à une convention. Ok, très bien. Je serai à une convention. Putain, je suis en train de me perdre. Je suis complètement en train de me perdre, c'est super. Je serai à une convention. Je ne sais pas encore si je serai staff ou pas. Ça va se décider dans les prochains jours normalement. Voilà, c'était la petite anecdote. Ma vie, c'est trop bien. Ok. Donc en fait, ça va être encore un épisode du farming. Je ne sais tout simplement pas où aller. Donc j'explore, ok là y'a rien, là c'est désolé, il va bientôt faire nuit. Trop cool ma vie. Ok, donc là il y a a priori une rivière asséchée. Donc peut-être qu'en remontant je vais pouvoir accéder à un village avec un nouveau problème. Ce serait cool. Et ouais mon gars, et ouais j'avais deviné et il y a un pont. Et bon, on va aller du premier côté. De toute façon je suis complètement en train de faire n'importe quoi. Ah bah vous voyez, AVG fait de la merde et est en train de m'emmerder. Là vous voyez AVG, donc AVG dans 4 heures tu me rappelles ce problème, merci, au revoir. C'était les interruptions, génial. Il est temps que vous voyez l'envers du décor. Je pense que depuis un moment je ne me cache plus l'envers du décor. Il est important que vous voyez les problèmes que nous rencontrons nous youtubeurs, enfin joueurs lorsque nous faisons des vidéos. Ah ok, donc effectivement c'est la sécheresse. Oh vous êtes un homme nous. Ok, ouh l'armement. Ça c'est cool. Je te vends ma merde. Donc mon épée bronze de merde et mon bouclier d'un nul. Et j'ai fait quitter trop tôt. Alors, un sabre qui me décrit, ça m'augmente. Ouh une faux. Je ne sais pas quoi prendre. On s'équipe maintenant. Alors c'est ça, à quoi de faire du troc?
fais pas confiance, je ferai ça un peu plus tard. Donc ça, ça et ça. Là, je pense que je me suis rattrapé sur les caractéristiques de mes persos. On va save. On va save garder même. Oui, enfin, je te raconte mon histoire incroyable qui a été de me perdre pendant 10 minutes sur la map. Et on va aller... soit, je sais pas où aller, peut-être sur cette maison. Il y aurait de la lumière. Oh, regardez, il est différent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. L'anneau, ok. Toi, tu es dans un lit, tu dois être important comme perso. Faut que j'aille dans le bois, faut que je fasse quoi? Et donnez-moi un indice, mon dieu. Le village voisin souffre. Ah, il faut que j'aille de l'autre côté. Ok, les mecs. Ouais, donc il faut prendre le pont qui se trouve à 200 mètres. Et aller au coin à côté. Ok, je changeais d'arme, mais je mets toujours autant de dégâts, c'est nul. Et je vais me faire défoncer si je continue. Je vais peut-être penser à racheter de l'herbe. C'est super important l'herbe. Il en reste 14. Ouais, ça va le faire encore un moment. Donc là, c'est pas la même. C'est pas le même village, hein, effectivement. Ah bah non. Là, il y a des humains. Ok. Ok, bon, là aussi, il y a une maison avec des lumières, donc c'est super important. Ah, il y a le vieux. Ok, j'ai pas compris. Bon, faut que j'aille au bois, c'est ça? Allez, on y va. C'est parce que je suis de bonne humeur. Juste avant, ouais, là. Là, ici, oui, tu vas me donner, alors, vie 500, et eh ben je vais te prendre 2 vies, de l'herbe, un max, et puis ça coûte 10 PO, donc voilà. On va ranger tout ça. Voilà. Et on est go. Allez, go, go, les deux Power Rangers. Je me donne un coup dans mon casque, super agréable. Le bois. On va aller au sud d'abord, hein, parce que c'est logique. We'll be right back.
Et je peux pas y accéder. Vous êtes con. Vous êtes con ou vous êtes con? T'es sérieux là le jeu? T'es putain de sérieux? Attends. Regarde le nom. LOL. Putain. Ah je te hais le jeu. Ah tu vas tellement souffrir. Ouais par contre bouge de la porte toi. Merci. Ah je vais te défenestrer là. Ouais. Wouah, ça va être super lourd. Ok, bon, est-ce que je suis soigné? Non, tant pis. Tiens, de l'herbe. Ah là, je suis remonté. Ok, direction la forêt, donc. La forêt qui était en fait... que je ne pouvais pas tout simplement accéder à cause d'un arbre qui était plus grand qu'un chemin de 2 mètres de diamètre, mais que je peux couper avec une scie que j'ai fait avec mon fion. Putain! Regardez ça, c'est animation de toute qualité. Non, tu crois? Allez, vas-y. Ouah, et puis y a pas de sol. Ouais bah allez, vous savez quoi, on va aller au nord, on va suivre la même direction tout le temps. Et puis on va pexer à mort. Regardez ça, c'est critique incroyable. Ce contre et ce critique qui ont raison de ce monstre. Droite, gauche, milieu. Je sais pas, allez, à droite, voilà, on monte. Continue de monter. Ah, il y a un truc à gauche. J'ai vu un truc qui est un truc à gauche. Je sais pas ce que c'était, mais c'était un truc. Trop bien, je me fais défoncer. La forêt des ambiances. Trop d'ambiance dans cette forêt. On va me faire défoncer au prochain tour. Je suis même déjà mort. Parce qu'ils ont initiative cette bande d'enflure. Oh, ils m'ont pas attaqué. Yeah. Allez, toi tu décèdes. Ah non, j'arrive à gauche en fait. Ouais, c'est les zombies qui vont me poser problème finalement. Le champignon est one-shoté, mais les zombies ça va être le plus gros problème. Oh bah dis donc. Salut. Génial. Demi-combat de boss. Sort, ouais, sort. Augmenter l'attaque de lui. Lévastrat. Lévastrat, tranquille. D'accord. Des coffres. Bon. Oh, un vie, une larme, deux vies et une épée. Oh, oh, une épée longue. Équipée. Épée longue. Non, je peux l'équiper sur elle. Merde.
Ah, c'est tentant, c'est tentant. Allez, je veux dire, est-ce que elle peut s'équiper du putain, elle peut pas s'équiper du fleuret. Bon, d'accord, donc pas tout droit. Y a pas une source de l'eau. Ok, pas là non plus. Non, mais j'accepte. J'accepte ce que le jeu veut. Ah, j'en disais aussi, ça faisait plus d'une minute que j'ai pas de combat. Combien je mets avec mon épée? Ah, 22, d'accord. Ok, très bien. Oh, ça va être le décès. Je sens que ça va être le décès, ça. Ah, ça, non, ça va être le décès, ça. Fuite m'a sauvé. Je sais pas comment le prendre. Ah non, mais j'ai pas de force. Ah, je crois que c'est ça la technique. T'augmentes l'attaque de lui et lui il one shot tout le monde. C'est un bourrin, encore plus bourrin, quoi. Ah, ça sent les pièges. Ça sent les gros pièges de salaud, quand même. Critique avec attaque augmentée 92, tranquille. Non, très. Alors, je remets mon fleuret. Nous sommes d'excellents gardes, blablabla. Hop, j'attaque. Et là, je. Non, là, j'augmente mon attaque. Ça va attaquer tout le monde. C'est ça les techniques. Ça c'est les vraies techniques. Un critique assez c'est mignon. Un critique 22, ça et moi. Donc là on va se soigner un coup. C'est quoi qui m'a dépêché déjà? C'est des gants. Pardon, combien? Putain, que 20 points! C'est nul! Je vais prendre les coffres, je vais tout de suite faire le boss, moi. Ok, donc il faut pas prendre les chemins, bon. Faut pas prendre les chemins avec qui sont tentants, sinon c'est vraiment. Les chemins de la tentation, quoi, droite ou gauche? Allez, droite! Oui, ça passe!
On fait le grand tour. Ça sent le boss fight. Donc c'est le boss fight. Je suis pas du tout confiant. C'est trop bien, mais bon, on s'en fout. Ok. Restons calmes. La strat marche, ça a été prouvé. Attention, vraiment il y a deux morts. Ok, il n'y a pas de mort. Mais je gagne. Normalement. Là, je gagne. Oh, level up, je savais, enfin. C'est bon, c'est terminé. Oui. Génial, double boss fight. Attends. J'aimerais savoir un truc. Bon, tant pis. Ouais, ça arme du cul. Ça arme du cul, mais j'en fous. 84. Oh. Là, je gagne. Là, il bouffe. Il bouffe. Il est mort. Pas là, mais là. C'est bon, ça c'est fait. Allez, hop, level 12. Allez, un deuxième chouchou. Oh, merci. Oh, merci. Allez, troisième boss fight. Oh oui, on aime ça. Allez. Oh, j'ai un personnage en plus. Et toi, t'as un sort. Oh, je t'aime. Oh oui. Allez, soin. Sur lui. Sur lui.
On va voir ce que vaut tes sorts. Parce que je vois la gueule de tes sorts. Ouh, échec! Ah, j'ai un magot dans mon équipe. Et là, tout le monde sur lui à l'attaque au cac. Normalement, il bouffe. Les mauvaises strats. C'est bon, la technique d'attaque est mauvaise. Bon, allez, voilà. Trois boss. Et j'ai gagné le nouveau personnage. Ça, c'est cool. Je peux sauvegarder. Oui, allez bien. Comment on se barre d'ici, putain. Moi, je vais me barrer de là, putain. Je commence à en avoir marre, les mecs. Yo, affrontons le boss. Yeah. Yeah. Tiens, sauce les mecs. Putain, c'est pas vrai. Contre, allez. Allez, il y a un décès. Ah, je vais me barrer, cet épisode durera trop longtemps. Parce que j'ai dû chercher qu'il fallait faire une scie. Immobilisation, oui. Ah, je vais me barrer. Ah, comment on se barre. Faire tout le tour, oui, très bien. Oh putain, faut faire tout le tour. Ah, je suis la joie, les mecs. Au moins celui-là je l'ai fait en un tour. Et ça c'est cool. Super bon. Ouais, je tombais dans un piège, tout le monde est content. Je pense à récupérer les coffres. Que je suis mort. Non. De l'herbe, parfait. Une herbe, parfait. Une herbe, encore, coup. Oh, j'ai un casque. Ok, pas pour toi. Pas pour toi. Mais pour toi. Allez, tiens, cadeau. Ah, cassons les mecs. Cassons où? C'est ça le truc. On tombe dans les pièges et puis comme ça on va plus vite. Là il y a 4 coffres donc je prends. Je tombe dans le piège et puis c'est bon. Cassons. Ok, soin. Putain, ce stress. Allez, pouf dans le trou. Pouf dans le trou. Eh, j'avais dit pouf dans le trou, putain. Avec la sauce. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Ok, ça servait à rien. Marque celui-là, je peux me le faire.
Bah voilà le piège. Cassos. Il est où l'escalier? Il est là. La sortie, oui. Bon, bah moi je m'arrête là parce que j'en peux plus. Ça fait 45 minutes, plus de 45 minutes que ça enregistre. Donc 20 minutes où on a fait que de la merde. C'est cool. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, comme d'habitude, tout ce qui est like, commentaire, abonnement, partage de vidéo, tout ça. Je vous souhaite un bon jeu. Et je vous dis à la prochaine.